Zapping. Affiche de la semaine du cinéma polonais, organisée par la Cinémathèque suisse, exposée au musée de l'Élysée. Coup de cœur. Une affiche emblématique de Wojciech Zamecznik, grand artiste polonais, pour un événement d'époque qui a eu lieu tout près du musée à Puy. À l'affiche cette année-là. Cette affiche a été créée pour la semaine du cinéma polonais, qui s'est déroulée du 3 au 9 décembre 1959 au cinéma Cité Puy. L'événement, organisé par la Cinémathèque suisse, avait pour objectif de faire découvrir les films produits en Pologne au public suisse-roman. Insolite. Le conservateur de la Cinémathèque suisse a fait appel à un graphiste polonais, Wojciech Zamecznik, pour réaliser l'affiche d'un événement suisse, ce qui est surprenant. Deux mots sur l'auteur. Wojciech Zamecznik est un graphiste polonais célèbre pour ses nombreuses affiches. Il en a réalisé plus de 200. Comme d'autres graphistes, il intègre des photographies dans ses créations. Cependant, il s'agit souvent d'images qu'il a prises lui-même puis retravaillées. Zamecznik réunit ainsi deux formes d'art au sein d'une même œuvre, le graphisme et la photographie. De la photo sans appareil. Pour ses affiches, Zamecznik fait de la photo sans appareil photo. C'est la technique du photogramme. Le graphiste place ses objets entre une source de lumière, une lampe par exemple, et un film photosensible, papier qui réagit à la lumière. Ensuite, il colorie l'image obtenue avec de la peinture. C'est ce mélange des techniques qui rend son travail si innovant. Zapping, un musée, une pièce. Un projet accessible de la Nuit des musées.